Bonjour et bienvenue sur cet écran, ce bureau Windows. Je tweet les trucs du live et je suis à vous. Alors pourquoi un bureau Windows? Les trucs du live. Alors, on s'entend double, ce n'est pas bon, mais ça prouve bien qu'on est en live. Pourquoi le bureau Windows? Parce que ce jeu que nous allons faire ce soir ne supporte pas du tout d'être capturé. Pour des raisons évidentes de... Ben non, je sais pas en fait. Je pense que c'est juste pour être casse-couille. Et du coup, je suis obligé de faire une capture de l'écran en entier. Ce qui est faisable, hein, mais qui est quand même relou. Alors... Je vais juste... Donc ça c'est tweeté. Voilà, ça c'est tweeté, ça c'est partagé sur mon truc. Hop, hop. Et dans ce cas, on est bon. Et let's go. Donc ça, le chat. Chat ici. Et tiens, je vais l'enregistrer. Même si je suis pas certain de la gueule des enregistrements. Parce que ça. Découverte de Sea of Thieves. Coucou. Découverte en live avec le magnifique nombre de 0 viewers actuellement. Puisque nous venons de lancer le live. Et qu'il est l'heure de bouffer. Et que les gens sont en mode c'est férié. Donc. Même pas dit qu'il y ait des gens qui passent. L'appel du grand bleu. Découverte 100% puisque c'est très fort. Découverte à 100% puisque j'ai jamais lancé le jeu. J'ai regardé des lives mais j'ai pas joué moi-même. Et que cette intro en plus je la zappais à chaque fois. Parce que ce jeu est sensible et que dès que tu appuies sur une touche ça zappe l'intro. Donc tout le monde m'a dit que du bien de ce jeu. C'est un jeu sur les pirates, moi j'adore les pirates. On va bien voir si j'ai perdu mon argent ou si au contraire ce sera que du fun. L'intro est très longue quand même. Alors, c'est là qu'il faut sélectionner un personnage. Un personnage choisi. Comment on fait pour changer? Comme ça. Faut que j'en choisisse un. Que je vais prendre. Créer de nouveaux pirates.
Ah! C'est totalement aléatoire, j'avais pas compris. Je pensais que c'était genre. Il y avait 4 persos et tout le monde choisissait dans les 4 quoi. Non, non, c'est totalement aléatoire. Je vois elle, mais j'ai l'impression que c'est ça plutôt. On va prendre celui-là. Parce que. Il est marrant. Alors, naviguer sur un petit bateau fragile, faites voile pour une aventure mémorable, un navire bien équipé. Alors le truc c'est qu'on va être obligé de faire ça pour l'instant, de toute façon, puisque je suis tout seul. Partez avec un petit équipage, partez en solitaire. Bienvenue dans Sea of Thieves. Autorisez-vous, Sea of Thieves, à accéder à votre microphone. Oui, d'accord. Bienvenue dans Sea of Thieves. Vous avez des questions ou des commentaires sur notre jeu? Rendez-vous sur notre forum. Allez, ciao. Donc du coup... Ah, mais on peut avoir plusieurs persos? Je sais pas, je vois plusieurs lignes. Ah non, on peut avoir... Mais ça, c'est l'équipage. Ok. Un petit morceau de chocolat. Très long ce temps de chargement. Attendez, est-ce que j'ai fait mon tweet ou est-ce que mon tweet est jamais parti? Non, il est parti mon tweet. Alors, maintenir pour voir votre équipement. Ah d'accord, c'est bizarre comme touche, mais ok. Donc j'ai une banane. Ah mais ils veulent que je prenne la banane en plus. Manger la banane. Mais c'est pas comme ça qu'on mange une banane? Ouais. Il faut que je fasse quoi? Ok. Ok, mais là on est d'accord que c'est fini le tuto. Take your time. No hurry. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu calme. Et remplir ma chape. Mmh.
j'ai fait ça, enfin, peut-être pas le faire. J'ai des trucs, j'ai un nom. Q ? Pourquoi Q ? Ça marche pas d'ailleurs. Chap. Non ! Putain, à chaque fois je me tape la barre de menu en haut là. Commande au clavier AZERTY. Il y a un truc mode d'affichage. Bah non, pourquoi il fait ça? Ok, c'est un jeu en 720p. Ouais, voilà, ce sera un peu plus joli. Hein. Synchronisation verticale, oui, si tu veux. Voilà, très bien. Paramètres graphiques. On a mode un peu nul, maudit, ordinaire, rare. On va jouer en dégueu. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de lag. Oh, et puis franchement, ça va. Hein. Même en dégueu, c'est pas trop moche. Hein. Alors. Putain, mais le fog est insupportable. Il n'y a pas moyen d'augmenter ça? J'ai pas l'impression, hein. Sensibilité, vue. Ah si. Ah, mais c'est insupportable de rien voir autour de soi comme ça. Voilà, c'est un peu... Parler à la mystérieuse personne. Bonjour, mystérieuse personne. Ok. On est pas très très guidé au début de ce jeu. Hein. Alors j'imagine que là on peut pas monter. Que c'est complètement bloqué par des trucs à la con. Peut-être que je pourrais lâcher cette carte aussi. Je me souviens plus comment on fait. La boussole. Ah, c'est une longue vue. Ouais. Mais j'ai plus de bananes. Alors, maintenez-le pour voir les quêtes. Parce que je comprends pas, j'ai l'impression que c'est comme si il me disait... Ah, mais il fallait... Regarder de l'autre côté, d'accord, j'avais pas compris ça. Aller voir une société dans cet avant-poste et acheter un voyage. Ok, très bien, faisons comme ça. J'ai zéro moyen de lâcher ce que j'ai sur moi, quoi. F. Une shop, je trouve ma shop, j'y retourne. C'était là, c'était pas du tout là. Oh, des bananes. Ah, j'ai plus de place. J'ai mangé toutes les bananes, mais putain, mais ce jeu ne capture pas mon curseur. Si je fais ça, je me barre complètement. Là, je suis sur l'autre écran. J'aime manger des bananes. Alors. Donc du coup. Non, c'était pas ça, c'était ça. Hop. Remplis ma shop. Non, pas toi. Remplir ma shop. À l'abordage, nous essayons ici la voile, ouvrez les sabords, tribord. Préparez-vous à faire feu à mon commandement, ça ne veut rien dire. Je vais voir si je peux finir bourré. Déjà, je marche pas très droit. Hein. C'est génial. Hey, remplis ma shop. Remplis ma shop. C'est remplissage de la shop, hein. Eh, tu joues aux jeux qui font du buzz? Tu es très dans le Twitch game. Ben, en fait, moi, je suis très fan de la piraterie et des pirates de façon générale. J'avais adoré Assassin's Creed Black Flag, alors que tout le monde dit qu'il est pourri, mais moi, comme j'aime les pirates, j'avais trouvé que c'était pas si mal. Et
Et le truc, c'est que oui, bah tout le monde dit qu'il est génial. Ah tiens, je vomis partout. Tout le monde dit qu'il est génial, donc bon, évidemment, il faut céder quoi. Il y a des pirates, tout le monde dit qu'il est génial. Mais oui, il était cool Black Flag. Je suis d'accord que c'était pas habituel pour un. Ah, il y a une boîte à musique. Il était pas. Je vomis partout. Il était pas habituel, c'était pas comme un assassin normal, mais j'avais bien aimé l'histoire, elle était cool quand même, et il y avait... Tiens, je vais manger une banane pendant que je vomis. Et... Mais je vomis partout. Et ouais, alors l'histoire des pirates, de Nassau, des trucs comme ça, enfin c'était... C'était génial, et puis tu devais aller voir les colonies de sucre, ou je sais pas quoi, et les libérer. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé. Mais ouais, mais c'est, j'ai beaucoup hésité à l'acheter quand j'ai vu qu'il sortait à 50 balles, justement. Enfin, à 70 balles. Mais on peut le trouver à 50 un peu partout. Sur des sites à la con. Oh merde! J'ai changé de... Quand je dis qu'il capture pas le curseur et que c'est casse-couille. J'ai changé de scène, carrément. Donc du coup, j'ai réussi à le trouver à pas trop cher. Mais c'est ça qui me faisait hésiter. C'était le prix aussi. Mais après... On m'a répété qu'il était vraiment cool et qu'il valait pas son prix, mais qu'il valait le coup. Donc du coup, je l'ai trouvé à 53 euros sur un truc genre CD Keys ou une connerie comme ça. Remplis ma chaîne. Non, c'est bon. Et du coup, eh ben, les pirates, c'est cool. Et oui, je l'ai trouvé à moins cher et du coup, c'était intéressant. Ouais. Par contre, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est insupportable. C'est un jeu Microsoft, il faut le télécharger sur le Windows Store. Pour le streamer, c'est méga relou parce que je suis obligé de streamer tout l'écran parce qu'il peut pas, il veut pas se faire capturer. Donc il fait chier. Ah tiens, je peux m'habiller. Je dois être à poil alors. Alors je vais mettre un manteau. Des gants. Comment je fais pour les garder? Ah, c'est mis là. Une chemise. Des espèces de sandales. Une ceinture. Une robe. C'est quoi ça? Ah, il m'a bien un peu au pif. Ouais, ça, mais sans la ceinture en fait. Non, bah, il a pas réussi. Enlève la ceinture. Comment tu fais pour l'enlever? Tu peux pas? Pas de ceinture. Voilà. Ouais, et donc du coup c'est un enfer. Et pour l'installer, j'ai dû redémarrer parce que ça faisait de la merde. Et ça m'a cassé les couilles. Oh mon dieu. On va enlever les. On va mettre une grosse moustache. Mais on va enlever les cheveux. On va enlever les cheveux. Et le reste, j'ai rien. J'imagine que lui, tu vas pouvoir acheter. Des personnalisations, des trucs, des vêtements, etc. Après, il paraît que le jeu est un peu vide. On va voir ça ce soir. Mais il paraît que c'est un peu vide et que c'est un peu dommage. Mais en même temps, si personne n'y joue en disant bah c'est vide, il va pas se remplir. Alors, petit bateau, des trucs. Qu'est-ce que c'est ça? Rien de spécial, d'accord. En tout cas, il est plutôt cool. J'ai surtout des potes pour jouer avec toi, pour que ce soit bien fun. Il y a ça, ouais. Et j'ai un pote qui a le jeu, je verrai avec lui si je peux jouer avec lui. Enfin, disons qu'on en a parlé et qu'il a dit « Ouais, achète-le, il est cool. » Donc a priori, on jouera peut-être ensemble un de ces quatre. Mais là, je voulais déjà juste lancer le jeu et voir. Tu me fais un don de 50 euros et j'arrive. Bah, disons que j'ai déjà dépensé 50 balles pour le mien, alors du coup. Là, comme ça, le payer deux fois, ça va être un peu compliqué. On va pas abuser non plus. Déjà que c'était. J'ai hésité avant de le prendre parce que j'étais. 50 balles quand même. Ok, je vends les armes.
Je me balade partout avec ma banane. Madame Olive. Ok, mais du coup, c'est ça les voyages qu'il faut faire? Non, je sais que tu déconnes. C'est ça les voyages ou... Une banane plus dangereuse qu'un flingue. Mais alors j'ai les flingues. J'ai les flingues. Pourquoi j'ai eu un truc? C'est déstabilisant là d'avoir... C'est même complètement stupide en fait. Parce que là, en fait, si je fais ça pour me tourner à droite, là, si je clique sur OBS. Donc en fait, le jeu, on peut considérer qu'il fait de la merde, parce que je peux pas tourner sur moi-même complètement. Enfin, je peux le faire, mais en tournant à gauche. Si je tourne à droite, je sors de l'écran. C'est vraiment un jeu de merde. Donc, si jamais j'ai des ennemis sur la droite, il faut que je fasse 360 sur la gauche. Est-ce que t'es sûr que tu veux l'acheter finalement, Aldra? Et pourtant, je suis en plein écran parce que, en général. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il faudrait carrément que j'ai plus rien sur l'écran de droite. En fait, j'ai mon écran à gauche et à droite, j'ai l'écran avec OBS et tout le reste. Et à gauche, j'ai le jeu. Et en fait, si je bouge la souris vers la droite, elle sort de la fenêtre et je. Et mon curseur se retrouve sur l'écran de droite. Mais du coup, j'ai pas de solution à part ne pas avoir d'écran à droite. Mais sauf que c'est pas une solution, ça, c'est de la merde. C'est quand ça marche pas, quoi. Et donc, du coup, je suis monté là-haut, mais il y avait rien à faire. Et le problème, en fait, c'est que. C'est que le jeu est en plein écran et pourtant il capture pas le curseur et c'est vraiment bizarre. Surtout pour un jeu comme ça où tu joues en FPS. Enfin, en vue première personne. C'est quand même con de pas pouvoir bouger réellement le truc. Bon, j'imagine qu'il faut que je parle à un de ceux-là. Mais je pense que c'est un bug à la con. Ça se trouve, si je relance le jeu, ça va remarcher. Comment est-ce que je peux obtenir de l'or? Prêtez attention à me dire dans la jungle. Oui, fermez la clé. Fermez pour dégager avec quelqu'un d'autre. Pardonnez-moi. Juste récompense, voir ce que vend collection. En fait, lui, il vend pas des trucs, il propose des quêtes. Voulez-vous vraiment acheter ceci? Oui. Je compte vos pièces. De l'or bien dépensé, rien du tout. Alors, justement, alors on va juste regarder un truc. Touche d'activation du micro, ça s'en fout. Je veux voir s'il n'y a pas un truc pour la souris là, parce que c'est pas normal qu'il me fasse ça. Ou c'est parce que j'ai changé apparemment à un moment. Voilà, donc fenêtré, plein écran. Et il me laisse quand même sortir en fait, donc il est stupide. Parce que, mais c'est pareil, si je fais fenêtré, comment je fais? Là je suis en fenêtré. Et c'est pareil, en fait dès que je sors le curseur de la fenêtre, c'est pas possible que le jeu soit pourri, comme ça. Ça n'a pas de sens. Parce que là du coup. Ça marche pas non plus. Ah tiens, je... Est-ce qu'on essaye de... Vite fait, on essaye de relancer le jeu. Voir si c'est le jeu qui déconne ou si c'est... Ou si c'est que c'est de la merde. Ça se trouve, c'est de la merde. Ça m'a l'air d'être de la merde, hein, quand même. On va voir. C'est un jeu qui a pas été prévu pour le double écran. Ou pour jouer en fenêtre. Alors c'est aussi. Il me semble qu'il en a accès anticipé et du coup. C'est sûrement pour ça aussi. Mais alors du coup, enfin parce que moi j'avais déjà. J'avais déjà lancé un truc. Ou alors, en fait, à chaque fois que tu lances le jeu, tu peux re-changer d'équipage et tout.
pas clair tout ça. Hein. On se retape le temps de chargement de 15 ans. Là actuellement je peux encore passer sortir ma souris. Et si j'ouvre une autre fenêtre, sur l'autre écran par exemple, ça va pas me virer le jeu et de temps en temps ça va le virer. Je vais chercher. Ouais, voilà, il y a des gens qui ont le même problème. Alors, il y a quelqu'un qui a reporté le problème en août 2017. Il faut activer le contrôle des comptes utilisateurs Windows avec ces solutions qui n'ont rien à voir avec les problèmes. Très bien. Bon bah je ferai ça plus tard. En attendant on va s'arranger. Pourquoi il fait nuit? Alors du coup, est-ce que j'ai encore la quête que j'avais créée? Non, pas du tout. Ouh, je me suis fait mal. Ouh, je me suis fait très mal. Je vais peut-être pas descendre comme ça. Mais je suis pas du tout au même endroit. Je sais pas ce que je fais. Bon bah go. Souquer les artimuses. Moi j'y vais. Hein. Allez ciao. Comment on fait pour lever l'encre? Encre, lever. Attends, je sais pas. Voilà. Bah en fait là je me barre juste, peut-être que je devrais quand même aller prendre une quête ou un truc. Parce que là je vais me barrer pour rien. Vous avez une quête vous? Working here is so unfair. Ok. Not again. Mais c'était bien, voilà. Non, yeah, oui toi tu vends whatever. Des trucs de bateau. Ok, toi. Ah toi à mon avis t'as des quêtes. Bah viens. Hello my lovely. Livrer la cargaison d'un client pitoyable dans ce voyage de mise à l'épreuve. Allez. D'accord, en fait, voilà, il y a plusieurs types de quêtes, apparemment. Alors, comment je vais faire pour rentrer dans mon bateau, moi? Ah, bon, bah, j'ai réussi. Alors, où est mon... Où est-ce que je dois aller? Je ne sais pas. Je galère un peu. Je suis coincé. Je suis... Non, si, l'ancre est levée. Parce que là, je suis un peu coincé. Je pense qu'il n'y a pas assez de vent. Et j'ai pas déployé les voiles, surtout. Je suis un peu nul. Et coucou, Stuffcore. T'avais pas déjà un compte avant? Et tu me suivais pas déjà avec un autre compte? Alors où est-ce que... Alors les voiles partent par là. Longueur de voile définir. Angle de voile définir. Ah mais tout seul c'est vrai que ça doit être un peu relou. Ah bah on va tout ouvrir. Alors là il est parti. Hein. Là il est parti. Alors mon problème c'est que je sais pas où je dois aller. Ah mais si ils étaient là les trucs que j'avais fait. Retrouver l'heure du pirate lors du voyage. Ok, mais j'ai rien, j'ai pas de carte, j'ai... Comment je peux savoir où c'est?
C'est très beau hein, d'avoir... Je vais fermer la voile. Comme ça je me retrouve en mer mais je bouge plus. Enfin, plus trop. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a une carte dans la cabine. Ouais, c'est ce que j'allais voir parce qu'il me semblait bien l'avoir vu dans un live. Ok. Alors, mais il y a un... T'as une carte, mais est-ce que t'as tes missions dessus? Non, pas trop. Puis j'ai zéro info. Bah en tout cas, à droite, il n'y a rien. Donc on va aller plutôt vers l'ouest. Vers le nord-ouest, on va aller. Parce que je sais pas trop... Non, pas là. Non. Je peux l'enlever, ça. Merci. On va aller par là. Non, là, je suis en train de cliquer. Bug de Twitch qui me fait chier avec mon compte StepCore alors que j'utilise la même adresse mail pour les deux comptes. Indigne foutoir d'une administration française. Fin de roman. Très bien. Je te crois. Je ne sais pas comment sortir de la carte. Comme ça, d'accord. Nord. C'est pas ça que je voulais faire. Proposer voyage. Ah. Bah voilà. Voter pour ce voyage. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on fait. Quand on a plusieurs voyages. Donc là, j'imagine que ça doit être marqué où est-ce qu'on doit aller. Enfin, quand la carte se laisse... Non, je veux pas la... Putain. Quête obtenue. Ah, d'accord. Je vais trop vite. Je vais trop vite pour le jeu. Tu as à peine... C'est pas un roman, tu as à peine un paragraphe. Alors... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si, c'est ça, les quêtes. Alors, ça c'est quoi comme quête? Ok, donc faut aller... Non, pas ok Google. Ok la carte, faut aller choper une île qui ressemble à ça. Un espèce de T couché en diagonale. On peut pas dézoomer la carte, ce qui est pas pratique. On peut pas dézoomer la carte, donc du coup on va virer ça parce que ça sert à rien. Alors on doit pouvoir dézoomer. Si voilà. Ah putain, qu'est-ce qu'il y a les chiens. C'est pas ça. C'est pas ça. J'imagine quand même que les quêtes de départ sont pas à côté de. Enfin sont à côté de. De là où tu pars. Non. Non, je sais. Non, c'est pas ça. Je pense pas. Je pense pas. Est-ce que je peux avoir le... Derrière, y'a rien. Faites voir. Non, c'est vraiment des traits qui sortent. Putain de jeu de merde. Ce truc là du curseur qui se barre du jeu, c'est vraiment très insupportable. Mais bon, j'ai... Alors, si vous voulez l'histoire complète, qui est drôle, je pouvais pas installer le jeu, parce que le Windows Store plantait. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai trouvé sur internet quelqu'un qui disait, bah désactiver le contrôle des comptes utilisateurs. Vous allez voir, ça va remarcher. Et effectivement, j'ai désactivé le contrôle des comptes utilisateurs, j'ai redémarré et bizarrement, bah, ça a marché. J'ai réussi à installer. Là, ce problème de plein écran, j'ai regardé sur internet et les gens disent « Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il faut activer le contrôle des comptes utilisateurs quand il est désactivé. Le plein écran marche mal sur les applications Windows Store. » Il n'y a aucun rapport entre les deux, mais pour eux, ça a du sens. J'imagine qu'il y a une histoire d'autorisation, de capture du curseur, de l'écran, de je sais pas quoi. Et du coup, c'est le bordel. Du coup, faudra que je réactive le contrôle des comptes utilisateurs. Le truc, en fait, qui demande l'autorisation à chaque fois qu'on lance quelque chose. Et que, une fois que je l'aurai réactivé, ben je pourrai peut-être avoir un curseur qui marche sur le jeu. Je ne trouve pas l'île qu'on cherche. Mais pas du tout. J'ai l'impression de les avoir toutes faites, là.
Et je la trouve pas du tout. Je vais regarder parce qu'on a une deuxième carte. Donc je vais regarder la deuxième. Elle est peut-être plus simple à trouver. C'est un genre de thé aussi. Pour moi, toutes les îles, c'est des thés. Mais avec plein de cailloux en bas. Et avec un symbole Nike à l'envers. Enfin, je sais pas trop comment le décrire dans ma tête. C'est pas ça. Bon, là je fais n'importe quoi, je vais regarder méthodiquement. Non, c'est pas celle-là. C'est ça non plus. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Celle-là. 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 C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. On se chie un peu. Elle est où cette île? Là, il y a plein d'îles en fait qui sont minuscules. Et que j'avais peut-être pas vu tout à l'heure. Et je suis encore en train de cliquer à côté. Hein. Putain de trucs casse-couilles. C'est pas ça. Rien d'autre ici. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça. Ça a l'air d'être celle-là, je pense. Non, je maîtrise pas encore les trucs. Ça m'a l'air d'être celle-là, ouais. Ouais, on dirait que c'est bien celle-là. Hein. C'est ça, ouais. Et l'autre, on la trouve pas. Je regarde vite fait, mais... Ah putain. Non. 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 Ouais, je vais aller voir celle-là. Mais... Je regardais juste vite fait si je la voyais pas là comme ça, mais... Non, je la vois pas. Alors, déjà on va aller voir celle-là, donc j'ai même pas regardé, parce que j'ai pas regardé parce que je suis con. Où est-elle? The Winds. Ok, donc moi je suis là, donc faut aller vraiment nord-nord et nord-nord-ouest. L'île des derniers mots. J'espère que ce ne sera pas mes derniers mots. Alors, ça va donner un peu le mal de mer ce truc. Hein. Alors, nord-nord-ouest, je vais remettre les voiles. Ok, l'angle de la voile. Au niveau de la boussole, on est où? Où est ma boussole? Boussole. Nord, nord-ouest. Donc c'est plus par là. Donc faut vraiment aller choper tout le truc. Si je peux réussir à tourner complètement. Attendez, non, je suis de la merde. Faut que la voile soit par là et que moi j'aille par là. Il va falloir aller modifier l'angle à un moment parce que je pourrais pas choper le vent sinon, tout simplement. Hop. Par où va le vent?
Non, on est bien là. Ça manque un peu de musique, de trucs, d'ambiance quoi. Alors évidemment, j'ai mes problèmes de souris. Donc là, on continue d'aller vers nord-nord-ouest. Je vais aller voir en bas, sur la grande carte, comment on se situe, de façon globale et générale. Non, là on est en train de dériver complètement. Faut vraiment que je tienne la barre. En plus on va pas trop dans le sens du vent, donc ça va pas être le plus simple. Hein. Justement, je vais essayer de bouger la voile pour qu'on chope le vent quand même, mais qu'on aille là où on veut aller. Ah, c'est relou cette histoire de curseur hein. Est-ce que je réussis quand même à prendre le vent là? Pas très très bon en navigation de bateau. Un bateau ça a de l'inertie, pas comme une bagnole. Bah oui c'est sûr. Surtout qu'il y a les vagues et que la route elle bouge pas trop. Elle est pas en train de faire bah des vagues. Alors, regarde avec le rocher là-bas qu'on se le prenne pas. Ce qui est bien c'est qu'il y a une grosse tempête sur notre trajet de ce que je vois, donc ça va être sympa. Je vais regarder la carte, voir comment on avance. L'homme qui ne savait pas piloter. Ah bah là c'est plein nord. Ça va être plein nord, on contourne ce rocher et après c'est plein nord. J'adore le truc, le tracé qui fait... Je vais me prendre le rocher si ça continue, il faut que je fasse gaffe. Ce qui est cool c'est que ça va nous éloigner de la tempête d'Aleana au nord. Voilà, là c'est bon. Parce que la tempête est là-bas. Tu voulais aller dans la tempête? Bah elle est peut-être en train de se déplacer vers nous la tempête. Donc peut-être que ça va se faire plaisir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bah je tombe sur une île en fait. Enfin sur un truc échoué.
On va s'arrêter vite fait, on va regarder. De bouger, j'ai jeté l'encre, non? Calme-toi. Oh, un cochon! Un cochon! J'ai faim! On peut pas tuer des petits cochons dans ce jeu. Planche. On peut prendre des planches. J'aurais pris le marteau, moi, perso, mais. Prendre des bananes. Les petits cochons. Ben, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Voir, il n'y a rien du tout. Bon, bah, on repart. En fait, il y a peut-être un truc forcément, mais si on a une carte. Quoi. Alors, question. Comment on monte dans le bateau quand on n'a pas de ponton? Ah, il y a une échelle. Peut-être que j'ai d'autres étapes avant de directement repartir. Du style lever l'ancre, remettre la voile. Le vent va par là, c'est parfait. Hop. Vraiment virer parce que là on va se taper le. On frotte, ça frotte. Ça frotte un peu. C'est bon. Ouais, ça manque d'une petite musique d'ambiance qu'on avait dans Black Flag par exemple avec les chants. Avec les chants pirates. Mais bon, il y avait tout un équipage pour les chanter. Là, ça serait effectivement pas trop raccord de les avoir. Je suis sorti de la barre. Ça pue. Ça pue. Eh bien, tu m'as vu chavirer. J'ai pas trop compris pourquoi j'ai chaviré, mais j'ai chaviré. Et puis là, je suis un peu loin de toute terre, hein, donc. Un peu fan. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que tu fous. Hein? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais il me fait couler encore plus. Alors, je pense. Oula. Qui m'a mis sur l'île la plus proche avec un nouveau bateau. Et moi, j'ai été emmerder un serpent. Et il m'a fait mal. Très très mal. J'ai la gerbe. Ah, voilà. Donc ça va. A mon avis, tu as un trou. Un trou dans la coque, tu penses? Ah, bah oui, putain, mais je suis trop con. Il y a des serpents partout ici. Je suis trop con, tout à l'heure, quand j'ai fait mon malin en disant « Ah, ça frotte », ben en fait, j'ai dû défoncer la coque du bateau. Eh oui, c'est ça la stupidité. Alors, qu'est-ce que c'est ça, du coup? Ben, retournons au nord, hein.
C'est pour ça qu'il faut des planches pour boucher les trous. Bah, j'en avais ramassé en plus, donc j'aurais pu les utiliser. Alors moi je suis parti au nord sans trop me poser de questions, mais j'ai même pas vérifié si on était bien à un endroit où on allait. Ouais non, c'est plus nord-ouest. Et même plus ouest-ouest que nord. Hein. Plus ouest-nord en fait. Alors bon, pas là parce que là on a un putain de rocher en plein milieu. D'ailleurs, si je pouvais l'éviter plus que ça, parce que là c'est chaud, on va faire une Titanic. Effectivement, l'inertie du bateau, là, on la voit bien. Y a rien à l'horizon. Je vais aller regarder vite fait la carte. Ouais, c'est un peu plus au nord quand même. Ah mais on voit plus ce que j'avais noté. C'était celle-ci. C'était celle-ci. Et c'était beaucoup plus à l'ouest. Ouais voilà, plein ouest. C'est ça, plein ouest. Ah mais qu'est-ce qu'il me fait encore? C'est parce que j'arrive à côté du Tri-Rock, ok. Plein ouest un tout petit peu au nord. On peut se méfier parce que là on va prendre le vent pile dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette tête a le drap? Bon, c'est pas très simple. Je pense que je vais encore me retrouver avec un tracé à la con parce que j'aurais pas réussi à naviguer droit. Comme une saucisse. La saucisse des mers. Ce sera mon surnom. Oui, c'est ça, donc complètement ouest là. Je suis beaucoup trop au nord. Bon, c'est quand même sacrément la tempête là. Et on est contre le vent cette fois. Et je comprends pas parce que ça peut pas être cette île là. Parce que ça lui ressemble pas. Et pourtant, j'en vois pas d'autres entre les deux îles. Ou ce serait celle-là? Non, ça doit être la Skull, celle-là. Je ne sais pas. Et je peux pas aller complètement à l'ouest. Parce que si je vais complètement à l'ouest, je vais me manger les rochers. Et je ne veux pas me manger les rochers. Et il y a des trucs là-bas.
Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai des trucs qui sont pas sur la carte en fait. Il y a des villes qui sont pas sur ma carte. Je ne vois rien. Ah, c'est bientôt la fin de la tempête. On va y voir un peu plus clair. Moi, je vois rien dans cette houle. Donc là, on est à Skull Keep. Ça doit être celui-là, à mon avis. Je vais vérifier sur la carte. Je suis pas très très bon, hein. Mais oui, je suis complètement au sud là. Ah, il y avait des bateaux ou je sais pas quoi là, des trucs. Je pense que c'est le truc qu'on voit là-bas. Alors pas trop trop à l'ouest parce qu'il y a les rochers. Ah putain. Je pense que c'est ce truc qu'on voit là-bas, non, pas là, pas là, 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 là. Ok, j'ai tiré. J'ai perdu une balle. Je pense que c'est ça. Le truc dans duquel on s'éloigne parce que je sais pas naviguer. Et que le jeu m'aide pas en plus avec ces bugs de souris. Hein. Ah putain, mais je suis carrément pas au bon endroit. Faut que j'aille totalement au nord maintenant. Jean-Michel Navigation. Jean-Michel PS. C'est comme les GPS. Jean-Mi PS. Ça se trouve, c'est ça en fait l'île. Parce que j'ai un peu du mal à comprendre les proportions de sa carte. J'ai un peu du mal à comprendre l'échelle. Genre là, si je retourne voir, on est où? C'est peut-être ça, hein. Peut-être ça, l'île. Hein. Ou alors c'est celle-là là-bas. Ça pourrait être celle-là là-bas. Réduis ta voilure pour gagner un peu de maniabilité et éviter de te fracasser sur les rochers. Tu as totalement raison. Je pensais le faire plus tard, mais c'est peut-être pas plus con de le faire dès maintenant. Parce que je me galère là, j'ai une inertie de ouf. Je pense qu'effectivement, ça pourrait aider de se réduire un peu. Je sais pas ce que c'est du coup ça à droite, mais... Mais logiquement, ce serait ce qu'il y a en face. Je vais revérifier la carte. Putain, mais non, c'est à droite. Donc en fait, c'est... Ici, c'est vraiment ici. J'arrive pas à comprendre l'échelle de la carte.
je vais revérifier, c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que je dis, c'est en face. Alors là, ce qu'on va faire déjà, c'est réduire à 100% les voiles. Parce que je vais manger le bateau. C'est à gauche. Comment ça, c'est à gauche? Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est à gauche. Attends, la carte est inversée par rapport à... Non, c'est... Enfin, là, c'est dans mon dos. Donc, si c'est dans mon dos, c'est bien celle-ci, oui. Non, pas jeter l'encre. C'est bien ce truc-là, mais sauf que c'est... déjà, ça ressemble pas à ce qu'il y a sur la carte. Je ne comprends pas l'échelle de cette carte. Oui, c'est vrai que je suis con, je devrais me repérer plus avec... Non, mais j'ai bien compris, en fait, la boussole. C'est juste que j'ai pas l'habitude de me diriger avec. Et que j'overshoot à chaque fois. Sbaf, Stefcore. Ah, c'était à Stefcore que tu disais ça. Bon, alors, compliqué de rentrer ici. Il est où ce foutu GPS? Il faut que je rentre là-dedans sans me manger les rochers. Sachant que j'ai déjà eu du mal à rentrer dedans. Mais là, on a le vent contre nous, donc ça devrait nous ralentir déjà. C'est mal parti. Spoiler, tu prends cher. Mais je comprends pas, ça ressemble pas du tout à ce qu'il y avait sur la carte. Ah d'accord, parce que nous ce qu'on a comme image sur la carte, c'est vraiment le petit îlot au milieu et pas tous les rochers qu'il y a autour. Et il faut vraiment que je réussisse à sortir de là. Et non, l'inverse. Je prends cher, je prends très très cher là. Non, j'ai eu de la chance. Où est mon encre? Bah remonte. J'ai vraiment cru que j'allais manger ces rochers là. En fait ça va. Et c'est là qu'on arrive sur l'île et que je me rends compte qu'il fallait acheter une pelle et que j'ai pas acheté de pelle et que du coup on peut même pas aller chercher le trésor. Ce qui est une probabilité. Alors il y a des serpents déjà. Ensuite il y a quoi? Des boulets de canon. On va en prendre quelques-uns, comme ça j'en aurai. Donc il y a des serpents partout. Ensuite, c'est pas ça. C'est là, la quête, c'est celle-ci. Ah, il y a un drapeau. C'est pas du tout la bonne quête que j'ai dans la main. Il y a un drapeau. D'un navire. Qui est peut-être le mien. Ah, putain, ils m'ont eu quand même. Quelle bande de trous du cul. Je m'attendais pas à ce qu'ils réussissent à m'avoir si je courais à côté. Non, c'est mon bateau ça. Donc. Ah, mais il se casse quand je suis pas là. On est sur l'île. Il y a des cailloux. Là, il y a un autre caillou. C'est à cet endroit qu'il y a le trésor. Est-ce que j'ai une pelle? Ou est-ce que je suis venu ici pour rien? J'ai une pelle. Oh, je l'ai trouvé direct.
C'est bon, vous me laissez tranquille, vous? Ah, je peux... Ah. Bon, c'est long. Ah ouais, mais alors si je dois le ramener dans mon bateau, va peut-être falloir que je ramène le bateau plus proche. Merde, je peux pas le lâcher. Comment je fais? Ah non! Attendez. Bah, et comment je fais? Je vais bien pouvoir le poser. C'est parce que je suis pas au sol, au sol. Qu'est-ce qui se passe? Ce jeu est bugué. Tu penses qu'on peut nager avec le... Oui, c'est pas très réaliste. Nager avec un coffre plein de trucs dans les bras. Bon, du coup, j'imagine qu'il faut aller rendre la quête. Comment tu fais pour poser le coffre? Parce que je peux pas me... Bon, ça c'est l'arsenal, ça n'a rien à voir. Il est où? Elle est où la zone de départ? Avant-poste? Vous vous souvenez de comment s'appelait cette zone de départ? J'ai complètement oublié. C'est pas marqué à qui je dois la rendre? La hacle. La hacle. Dans la cale, je pense qu'il voulait dire. Ah oui, effectivement, il y a un étage en dessous, je suis con. Pardon. Bah, on va foutre ça, j'imagine, là. Mal d'accessoires. En fait, je sais pas comment on le pose au sol. Ouais, j'ai plein de trucs, mais bah, comment on fait? Non, je tente un peu toutes les touches. Ok, c'était X. Pelle de marin, ok. Bon, il est temps. De fêter ça. Allez. Félicitations à nous. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut ramener la quête. Et en plus, tout est flou. Et ça tourne. Ah bah j'ai terminé le truc, mais il me dit pas où, où ramener le coffre. Alors attendez, je vais que ça. Et... Alors... Mais si, c'était très bien sobre. Ah, j'ai allumé la lumière. Et le super, hein. Allez, conduire les bateaux. Oh, et disons, est-ce que c'est pas le bon moment pour monter en haut du mât? Non, je vais me faire mal. Alors... Oh! Calme-vous. Je ne sais pas ce que je dois faire avec mon coffre. Faut que je retourne voir... Putain, j'arrive plus à utiliser la carte en étant bourré. Je peux plus zoomer, dézoomer. Ah, mais je suis déjà dézoomé au max. Kraken's Fall, c'est là Je sais pas où est le tuto. Vous le savez, vous? Ou faut que je cherche? Non, plus au sud. Avant-poste? C'est ça, c'est l'avant-poste
Oh, ça a l'air d'être ça, ouais, vu la gueule de l'île. Ouais, c'est ça. Donc, sud. Sud-est, ouais. Toute façon, c'est le seul nom en français. Alors, sud. Je vais lever l'ancre. Je sens que je vais manger le rocher direct, putain. Voilà, pas y aller à pleine voile, hein, d'abord. Parce que, hop, voilà. Directement, ça se mange le rocher. Génial. Bonne ambiance. Merci le vent. On ramène le coffre et puis après je couperai le live. Hein. Il y a des rochers partout sur la route. Je préfère rester à petite vitesse le temps de manœuvrer là jusqu'en dehors des rochers. Et j'augmenterai la voile après. C'est compliqué parce que là je vais me manger le rocher parce que j'étais en train de regarder autre chose. C'est compliqué parce que j'ai dû désactiver le contrôle de compte utilisateur pour que Windows Store puisse installer le jeu. Et en fait, du coup, apparemment ça a cassé la fonctionnalité qui fait que il me garde le curseur dans la fenêtre. Du coup, dès que je vais mettre le curseur à droite, je suis plus dans la fenêtre et quand je clique, je clique plus dans la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es pas du tout dans le cadre. Bah viens si tu veux. Du coup, il faudra que je répare cette fonction parce que c'est hyper relou. Parce qu'en gros, quand je tourne la tête, au bout d'un moment, je suis là. Donc, ouais. Donc ça veut dire que par exemple, si je veux me battre, je peux me battre à gauche, mais je peux pas me battre à droite. Et tu vois, pareil, j'ai la... J'ai la le menu démarrer qui apparaît et le truc qui apparaît en haut. C'est hyper chiant en fait. Il improvise pas depuis le début. 19h30, ça boit déjà, comment ça juge? C'est la bière de fin de week-end. Donc c'est bon, il n'y a plus de rochers, tout va bien, on va pouvoir aller à fond. Alors, ouais. Je sais pas trop comment ça marche les voilures en fait, les voiles comme ça quand c'est à contrevent. Je sais jamais trop comment la mettre. Parce que là, elle est vraiment face à nous, donc quand t'as le vent de face, comment tu conduis, je sais pas. Je me suis naufragé. J'ai coulé. Parce qu'à un moment donné j'ai fait ah regardez c'est rigolo ça accroche et tout sur l'île et en fait juste après j'ai coulé 2 minutes après. Ouais. Non. Non je regrette pas de l'avoir acheté mais je pense que oui c'est plus marrant quand il y a plusieurs personnes. Notamment quand tu navigues il peut y en avoir un qui suit la carte en même temps parce que moi aller faire des allers-retours là c'est un peu relou. Ok c'est sud-est. Non, j'ai mis un coffre normal. Alors sache qu'on peut nager avec les coffres et que ça pose aucun problème. C'est ça. Ah ouais? Mais parce que tu pouvais pas le finir sans en fait, c'était vraiment obligé dans Fallout. Et pour finir une fois le jeu, tu dois choisir le destin de l'unité avec une faction.
Non, moi j'étais une sauvegarde juste avant de choisir la station, mais je peux voir les autres personnes en finissant les deux actions. Ouais. Attends, le vent va complètement à l'opposé. J'ai mal compris. Il me semble que dans Skyrim, tu as deux factions qui se battent, mais que tu n'es absolument pas obligé de choisir. Là, tu as 1, 2, 3, 4 factions. Tu as 4 factions qui ont clairement une vision en fait, du futur à l'époque. Ouais. Ouais. Et bah, ah oui, on t'entend pas du tout je pense. Vas-y ou pas? D'accord. Ouais, on doit pas t'entendre parce qu'il y avait pas de micro d'active. Vas-y. Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites? Bah, en même... bah si, vu que je te réponds en fait c'est mieux s'il y a les deux côtés de la conversation. Déjà bonjour au chat. Nous avons Steph Core et Eldra qui nous accompagnent ce soir. Bonjour Steph Core et Eldra. Qui nous accompagne ce soir, salon de famille. Si vous prenez une bière avec moi, ça fait l'apéro du dimanche. Et donc du coup, oui, là, t'es obligé de choisir une faction parce que l'histoire dépend de la faction, c'est ça que tu... C'est ça. Mais en même temps, je suis quasiment déjà niveau... Enfin, je suis arrivé jusqu'au niveau 50 sans choisir de faction, juste en faisant de l'exploration et des quêtes secondaires. Donc t'as vraiment beaucoup de contenu... Mais c'est pas grave, alors déjà il y a des bières sans alcool. Moi j'adore la Tourtel Twist. Il y a des cocktails sans alcool aussi, très bien. Alors, on n'est pas du tout dans un diktat de l'alcool, Steph Core, ne t'inquiète pas. Ouais. Je peux connaître ce sentiment un peu bizarre des gens qui disaient ah bon, mais. Parce que je suis pas non plus ultra alcool, c'est par période, mais il y a des fois où je préfère boire un jus d'orange alors que tout le monde est aux bières ou au vin rouge ou je sais pas quoi, et des fois on me regarde bizarrement dans certaines soirées. Et Aldra, si t'as pas de bière, bah, tu viens dans notre frigo à bière. Tu viens quoi? Dans notre frigo à bière. Oui, c'est vrai qu'on a un frigo à bière. Bon, en vrai, c'est plus un frigo secondaire, mais c'est vrai qu'il est très souvent rempli que de bière. Et de boissons, et de trucs de façon globale comme ça. Je pense que c'est cette île. Je suis pas sûr. Ouais, c'est vraiment le sud-est. Sud-est, j'ai dit. Ouais. Donc t'étais un ancien Toulousain. Je crois qu'Aldra a fait une, ouais, un bout de ses études ou un truc comme ça à Toulouse. Je sais plus exactement. C'est comme ça que vous êtes rencontrés? Non, on s'est rencontrés sur Twitter. Eh ben, très con à l'eau alors, Steph. On s'est rencontrés sur Twitter parce qu'il connaissait Steph Core, qu'il nous écoutait. Enfin, ils sont plus. Donc c'est des... Il faisait des trucs de F1, là. C'est des fans de F1 les deux. Mmh. Tu sais le truc nul là, où il se passe rien. Barnacle Bay, c'est pas du tout... Bah il faut aussi connaître, je pense, pour apprécier quoi. Oh non mais le P2P quoi, enfin, le P2P où maintenant avec Phil il squatte mon canapé. Et où de temps en temps quand ils disent n'importe quoi j'interviens. Salut Admenoc. Mais il y avait Polymanga ce week-end. Bonjour Admedoc. Ouais, j'ai vu des trucs là-dessus. Aussi nul que le PDP. Est-ce que des gens écoutent encore cette émission quoi? Surtout que maintenant on la fait en live sur YouTube. Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. J'ai déjà oublié. Ouais non, là je suis bien. Et je suis bien, mais je suis dans quelle direction? Bien sûr que c'est la star du PDP Kenai. Hein Kenai? Regarde. Oh, il est pas content. Il est pas content quand on l'emmerde alors que... Oh non, il préfère avoir des câlins. Quand il est couché, il devient grognon et il veut être couché tranquille. Tous les épisodes, je l'envoie coquin, mais il est fou. C'est-à-dire que t'entends toutes les conneries qu'ils disent, toutes les conneries que je dis. Mais je dirais de moins en moins de conneries parce que... De 3-4 saisons. Maintenant, je les ai exilés dans le bureau. Donc...
Moi je suis sur la play tranquille pendant qu'ils font leur connerie. Eh bien écoute, c'est très sympathique de ta part, Steve, de continuer d'écouter le P2P. Personnellement, j'aurais été toi, j'aurais arrêté depuis longtemps. Moi je les écoute pas souvent, Phil les écoute tous. Ils se réécoutent. Ils se réécoutent, ouais. Parce que le peu où j'ai participé à vos podcasts, au P2P ou au 27 sur 24, hein, j'ai pas envie de me réécouter. Non mais lui, il se réécoute. Et... Et il s'aime. Non, il réécoute surtout pour savoir... Qu'est-ce qu'il y a ? Il réécoute pour savoir si l'émission était bien, ce genre de choses, quoi. Je pense que ton psy a raison. Alors là, c'est très mauvais ce que je suis en train de faire, putain. C'est mort, totalement mort. Si là t'as pas def ton bâton. Ah mais là je l'ai def totalement, parce que je pensais pas que ça arrivait si vite. Il y a un peu d'eau, hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le coffre. Ah, j'entends des gens. Et du coup, au pot d'anniversaire, vous allez faire un live. Bonjour. Ah, il y a quelqu'un qui dit bonjour. Bonjour. Il va pas mort, gonna kill, yeah. Ah, et ils veulent me tuer. Ils me disent qu'ils vont me tuer. I won't kill you. Be treasure, promise. It's alright, okay. Oh, wait. Ah, non, il fait coucou. Mais là, maintenant, il fait coucou. Mais il me parle, hein, en fait. I can't understand English, get smashes it. It's alright, go on, put your chest away. We'll help you repair your bolt, won't we, Brett? Attends, excuse-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est un chat ouvert. C'est un chat ouvert. We're nice pirates, oui, les gens parlent. Brett. Les gens parlent directement en vocal. Mais je comprends pas ce qu'ils disent, je sais pas où est-ce que je dois amener le coffre, du coup c'est un peu compliqué. C'était pas lui que je devais rendre. Ouais, c'est joli. Yeah, I repaired the bolt for him. Il est en train de réparer mon bâton. Ah ouais, il est fait down, Brett. Je sais même pas si eux ils m'entendent. If you don't cash that chest in, I will put a gunshot in your head. Putain, mais... Il est... Je sais pas ce qu'il dit. Ah, il y a Ville-Coyote-22 qui te dit que le coffre va être vendu sous la tente. Sous la tente? Sous quelle tente? J'ai l'impression que c'est... Ah, sous la tente. Here. Here. Ah, ils me disent que c'est ici. Here, it's over here, you bumpy. There you go. Ils sont contents. There we are, we're nice pirates, me and Brett. If it was a good chest, Brett, I'd have actually sliced his head off. Ah oui, bonjour, mon coyote. J'étais perturbé sur... Should we all go together? Let's go there, boat, Brett. Ouais. Sorry, I'm a noob. Ça lui fait marre. Si maintenant on doit se mettre en boulot. They're on the PC. But it translates us to English. That's. Okay, I love this song, Brett. Keep this one going. Et ils sont très bizarres. Ils ont l'air énorme. Ils sont très drôles, mais c'est ils sont trop bizarres. Il dit qu'il est plus ou moins gentil. La musique qui me manquait, bah oui, tout à l'heure je disais que. Qu'il n'y avait pas de musique. I'm not gonna lie though, Brett, if you'd have had a load of money. Chat de pirate. I'm sorry, the inner pirate would have just put. There's no point, mate, just for a couple of. Touche d'activation du micro. Conversation, nice one. Ah, mais quel micro il y a music. Mais là, apparemment, ils t'entendent. Ils m'entendent ? Hold on, there's a thing, eh ? À mon avis, ça doit être. Touche d'activation du micro. Turn around. De base. Oh, that's him from before, innit ? Je change pas les paramètres, t'entendais déjà ? Bah, vous m'entendez ? Yeah, we've got an ally now. You hear me, guys ? Oh là là, on passe en bien. Alright, let's move his bolt, come on. Hello ! Gonna be. Hello ! Ah, là, ils entendent. Hello !
Hello, thank you. Bonjour. Bonjour. Je vais pas faire un salut à tous ses amis. Hey, this might wreck up this. From to Tapel. Je m'appelle Puff. Puff is French. Oh, there he is, he is. Ils sont en train de faire une OPA sur ton bateau. Je m'appelle Captain Tull. Oh, it's going. Stuck, mate. We are happy pirates and friendly pirates. Ils sont en train de dire de la merde. Jesus, you've rammed this right in, haven't you? Jesus Christ. Hey. I broke my boat. And all we can sell. I broke my ship. What's that mean? I was too fast. Ça va? Oh, he speaks English. Sick. Ça les rend ouf que je parle anglais quoi. Cause this ain't going anywhere. Bah tu m'étonnes. No bolts. Bolt bro. You really jammed that in. Coming our bolt. Et je sais pas avec quoi ils m'entendent en fait, c'est surtout ça, je sais pas d'où quel micro est utilisé par le jeu. Et je dois raconter. Enfin, de toute façon, en tout cas, ils doivent m'entendre. Oui, sûrement. Et je raconte n'importe quoi. Pourquoi? Bah, parce que je raconte n'importe quoi. Ennuyé, non, je sais pas. Bah, de toute façon, moi je comptais arrêter le live là, donc. Donc bon. C'était très drôle de les rencontrer. Ah bah non, je suis tombé à l'eau. La barre, la jauge qui est en bas à gauche, c'est ta vie? C'est ma vie, ouais. Comme peut le prouver, regarde ce moment. Si jamais je monte là-haut et que je me jette. Tu peux le faire sur une musique de Céline Dion? J'ai pas de musique de Céline Dion sous la main. Je les appelle d'abord. Regardez-moi, je fais une connerie. Ils sont pas là. Ils sont peut-être partis avec leur bateau. Ah, mais ils partent avec leur bateau. C'est dommage, ils avaient l'air trop cool. Ouais, mais je pense que c'est ça qui me disait, viens avec nous et tout. Puis je disais, bah non, je m'en fous. Et voilà, t'as vu, c'était ma vie. Je suis pas mort. Franchement, pour une chute comme ça, juste briser les chevilles, c'est pas mal, non? Ouais, non, franchement, t'as vu, le jeu est cool. Tu rencontres des gens, c'est rigolo. Il est beau, il est sympa, je pense que. Ok. Du coup, qu'est-ce qui te fait revivre? Du rhum? Du rhum, ouais. Des femmes et de la bière, nom de Dieu. Non, en général, t'arrives dans ce monde-là. Oh, le vaisseau des damnés. Ah non, c'est la première fois que je meurs comme ça. Non, mais je suis pas mort, j'ai sabordé mon bateau. Donc c'est la première fois que je meurs. Donc je sais pas ce qui se passe. Je sais pas où je suis, et je sais pas ce qu'on fait. J'ai l'impression que... tu vas vers l'enfer. Et je peux naviguer? Bah, ah, y'a... Ok. Ah, c'est ouvert. Bah, je pense que ça doit attendre. Ouais, voilà le spawn en fait. Exactement. Le Hollandais venant. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'était bien sympa. Faudrait que je vois avec Sylvain si. Enfin, c'est ce qu'il est dispo pour jouer. Et il m'a dit oui, pas de soucis pour le faire en live et tout. Il est toujours au chômage? Et techniquement, je crois qu'il bosse en freelance. Oh! Vu que quand je lui avais proposé 1000 fois de bosser avec moi, il avait dit non, mais t'inquiète, j'ai des clients jusqu'en mai, jusqu'en juin. Faudrait qu'on se fasse une soirée avec lui. Ouais, bah oui, à l'occasion. Et donc on repop ici, et bah du coup, mon bateau est toujours là, quoi. Ok. Donc du coup, ouais, c'est à la meuf sous la tente qu'on le vend. Au début, il me tirait dessus, c'était pas très sympa. Non, c'est pas une meuf, c'est Herbert. Je confonds avec... il y a une espèce de marabouteuse quelque part, là, aussi. Tiens, c'est elle. C'est ça, ouais. Donc en fait, t'as... un espèce de truc bizarre, mystique, de combat. T'as le commerce et les coffres. Et c'est ça les fameux trois niveaux dont tout le monde parle.
Je pense qu'il faut que tu fasses un appel à... Un joueur. À Clem et à Sencha. Et que vous prévoyez un live tous les trois. Oui, je sais pas. Après, ça fait... enfin, j'ai pas envie de faire le gars qui s'incruste dans les équipages des gens. Et des gens qui ont plein de viewers sur Twitch pour que ça fasse genre le gars qui veut choper des viewers. C'est même pas faire un, enfin, c'est même pas faire un live, c'est juste est-ce que j'ai le jeu, est-ce que vous voulez jouer un jour. Ouais, je vais voir. C'est du moment que t'as partagé des ramen avec des gens. Donc. C'est vrai qu'on a partagé des ramen tous ensemble. Et ta sœur m'a pété dessus. Ouais. Quelque part, on fait un peu partie de la même note. Bon. Remplis ma shop. On va terminer là-dessus. La shop. C'est Tasha, elle remplit ma shop. Candy shop. Elle raconte des anecdotes aussi, mais surtout elle remplit ma shop. Regarde, je demande, elle remplit ma shop. Du coup, ma shop elle est pleine. Et je peux boire. Merci Tasha. Bon, alors c'est un peu plus tu bois, plus la shop est compliquée à boire. Ah, tu fais comme ça parce que moi je prendrais bien du grog aussi, parce que c'est que du grog là. Tu peux lancer la boîte à musique, puis tu peux reparler à ta chat. Tu dis, ah, je prendrais bien un grog. Non, tu commences à faire plein de son. Ah, remplis ma shop. Ah, on va prendre la shop, on va boire la shop. Ah non, parce que le problème c'est que ma shop elle est vide. Donc faudrait que je demande à Tasha, est-ce que Tasha, tu pourrais remplir ma shop s'il te plaît? Merci. On va aller voir mon bateau. Mon bateau, il est où mon bateau? Il est par là-bas. Alors, on va y aller en courant parce que c'est un peu long. Alors, c'est pas mon bateau. Tu renverses tellement ta shop. C'était pas de renversage de shop. Ah, j'arrive pas à... Ah, je me suis pété la gueule déjà. Où est mon bateau? Je vais aller voir mon bateau. En galet de temps. C'est très réaliste en fait ce jeu. J'arrive pas à passer le mur. Tout à l'heure j'ai pas osé monter au mât en étant complètement bourré parce que j'avais pas beaucoup de vie. Merde. C'est, je suis presque plus bourré le temps d'y aller. C'est rapide. C'est rapide, mais... T'as des réserves. J'ai mes réserves de grog. Allez, remplissez ma shop. Complètement débourré, quoi. Bon bah c'est bon. Juste pour, parce qu'on peut boire de l'alcool. Oh merde. J'ai vraiment pas fait exprès pour le coup. Parce qu'en fait c'est vraiment réaliste quand t'es bourré. C'est à dire qu'il va à gauche et à droite tout seul. C'est à dire là si je touche à rien. Il nage quand même. Bah attends. Même bourré tu nagerais. Bon. On arrête les conneries. On arrête le jeu. Et on arrête le live. Parce qu'on va manger une raclette. Une raclette. Bon, on n'a pas de fromage à raclette, mais on va manger une raclette avec tout le fromage qu'on a. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée. Je pense pas que je repasserai en live tout à l'heure. Parce que bon, c'est fatigant. Alors, on a des crêpes. On en a mangé déjà ce matin. Elle a fait des crêpes ce matin. Ouais. Et Bah, c'était encore sur Toulouse. T'aurais une bière et de la raclette. Et des crêpes. Et des crêpes. Sur ce, on va se lâcher. Ouais. Et moi, je vais manger. Et à une prochaine fois. Bisous, bisous. Et merci d'avoir été là. Ciao.